Je profite de mon séjour à l'océan pour amener mon détecteur de métaux et c'est parti pour une chasse au trésor. Alors j'allume le détecteur et puis je le règle sur la sensibilité coins, parce que si je mets tout métaux ça va sonner sur n'importe quoi. Alors après je pourrais soit mettre sur Jewerly ou coins, mais moi je vais mettre sur coins. Comme ça, ça discrimine pas mal et ça évite que ça sonne sur tout et n'importe quoi. Alors ici, il y a quelque chose. Et voilà, le début de la fortune. Alors ce qui est important pour bien balayer avec un détecteur de métaux, c'est de toujours garder le disque, donc le disque c'est ça, bien parallèle au sol. Donc en fait il faut toujours qu'il soit bien à plat et bien parallèle au sol. Alors la difficulté c'est de le faire ça sur toute la course, donc en fait il faut avoir une course semi-circulaire comme ça, et puis avancer d'un pas à chaque fois. Alors après l'astuce, quand on est dans le sable, c'est qu'avec son pied, on peut laisser une traînée comme ça pour qu'on puisse retrouver où on est passé pour ne pas repasser plusieurs fois au même endroit. Alors quelque chose qu'il faut aussi que je reprécise, c'est que moi ici j'ai un bouton de sensibilité. Sur le sable sec, je le règle en sensibilité maximum de façon à ce que ça puisse détecter la moindre petite variation de champ électromagnétique et donc que ça le signale par un signal sonore. Alors comment est-ce qu'on sait qu'on passe sur un métal ? Eh bien moi dans mon cas avec mon détecteur de métaux j'ai un signal sonore, une sonnerie qui est émise qui est différente selon le type de métal détecté. Alors par contre il faut savoir que plus on va être sur du sable mouillé, plus l'objet risque de sonner n'importe quand, donc il faut parfois diminuer la sensibilité. Et maintenant le grand ennemi des détecteurs de métaux, eh bien c'est ce tracteur avec un grand râteau à l'arrière pour nettoyer la plage. Alors ça a le grand avantage de rendre les plages beaucoup plus propres pour les vacanciers. Par contre, eh ben, pour les détecteurs de métaux, il y a pas mal de choses qui se retrouvent dans le tamis et du coup qui sont enlevées de la plage. Et puis pour ceux qui critiquent ceux qui utilisent des détecteurs de métaux sur la plage en disant ouais c'est des rapaces, c'est des vautours, et bien en fait il faut savoir que quand quelque chose, une pièce ou un bijou tombe dans le sable, et bien en fait s'il n'y a aucun détecteur de métaux le ressort, il est perdu à tout jamais. Hein, parce que l'humidité, le sel finissent toujours par attaquer l'objet, notamment les pièces de monnaie. Alors c'est sûr que l'or sans doute moins, mais après l'or il va partir en haute mer et puis ça sera cadeau pour les poissons. Mais je peux vous dire que les pièces, j'en ai retrouvé qui avaient 30 ans ou 40 ans, ben en fait elles sont toutes perforées, percées, comme rongées par le sel, elles sont foutues. Donc si personne ne ressort ces objets qui sont tombés dans le sable, ben ils sont vraiment perdus à tout jamais, soit enfouis dans les profondeurs de l'océan, soit complètement bouffés par le sel et l'humidité. Et puis dans certains cas même, ben il y en a qui trouvent des objets précieux et qui vont voir à la gendarmerie si un objet perdu a été déclaré, pour éventuellement essayer de retrouver son propriétaire. Moi, ça m'est arrivé de trouver une gourmette, je suis allé à la gendarmerie, on a cherché, je les ai fait chercher sur plusieurs années, même s'ils n'avaient pas envie, et en fait, parce que j'avais un prénom, une date de naissance,
mais bon, bah, ça n'a pas été déclaré perdu. Donc là, pour le coup, j'ai pas pu la rendre à son propriétaire. Ah, alors là, ça, c'est une sonnerie qui me plaît. Parce que ça, ça peut être du... Et visiblement, il y en a deux, là. Il y a quelque chose ici, et il y a quelque chose là. Et à mon avis, c'est pas du 10 centimes ou du 20 centimes. Donc on va déjà chercher celle-là. Je pencherai pour du 1 euro ou 2 euros. On va voir si je me trompe. Bon, après, ça peut être une capsule de canette. Ah ouais, bah voilà. Ça, c'est ce qui arrive. Du papier d'alu. Et celui-là, je peux pas le discriminer. Donc je l'enlève. Je repasse dessus pour vérifier si c'était bien ça. Ouais, il n'y a plus rien. Parce que vous voyez, si je vais dessus, c'était ça. Donc l'autre, bah, y a une grande probabilité que ce soit la même chose, mais j'y vais quand même. Mais plus profond. Et voilà, encore de la saloperie d'aluminium. Ah, là, il y a quelque chose. Alors, vu la sonnerie, je pencherai plutôt pour une pièce de 10 centimes ou 20 centimes. Donc, pour localiser l'objet, à mon avis, vous voyez, il est là, sous le disque. Donc on peut faire un passage comme ça pour localiser l'objet horizontalement et un passage comme ça pour le localiser, on va dire, verticalement. Et donc c'est vraiment ici. Allez, c'est parti. Alors bien souvent, dans du sable sec comme ça, c'est pas profond. Hein. Et après avoir fait un premier trou, on peut refaire un passage au détecteur pour voir si en fait l'objet s'est pas déplacé ou s'il est toujours au même endroit. Et s'il est toujours au même endroit, ça veut dire qu'il est plus profond. Donc là, oui, j'ai fait un bon petit trou, j'ai rien trouvé. Donc je vais refaire un passage au détecteur pour voir si je l'ai déplacé. Bon, bah, je ne l'ai pas déplacé, donc visiblement, c'est quelque chose d'assez profond, qui peut être un peu plus gros. Donc je ne sais pas ce que c'est. Ah, ben voilà, ça y est. Donc vous voyez, quand je disais que ça pouvait être une pièce de 10 centimes ou 20 centimes, ben en l'occurrence, c'est une pièce de 10 centimes. Alors après avoir trouvé, hein, faut pas hésiter à refaire un passage au cas où, parce que ça arrive que des fois, il y a plusieurs choses au même endroit. Notamment quand une poche se vide. Alors moi, j'appelle ça un nid. Tout à l'heure, je suis tombé sur un nid, parce que j'ai trouvé, voilà déjà ce que j'ai trouvé. Et dans un même endroit, à 1 mètre sur une surface de 1 mètre carré, j'avais une pièce de 2 et 3 petites pièces jaunes. Donc tout ça au même endroit. Donc c'est quelqu'un qui a dû vider sa poche peut-être en chahutant, peut-être une bande de jeunes qui faisait les fous. Et du coup, il a vidé ses poches à cet endroit-là. Donc voilà, j'en suis pour l'instant à peu près à 4 euros en une heure de temps. Alors voilà le tableau de chasse de ce que j'ai pu ressortir du sable. Donc il y a à peu près 60 pièces pour à peu près 30 euros. J'ai une bague en argent et une gourmette en argent avec un prénom et une date. Alors je suis allé au poste de surveillance, j'ai laissé mes coordonnées. De façon à ce que si quelqu'un vient la rechercher, il puisse me contacter pour que je puisse lui rendre.